fait du lourd, il a préparé du lourd, il s'est investi beaucoup. Alors j'ai cru comprendre que c'était un projet marseillais avec pas mal de featuring. Moi je suis venu, tu vois, moi, pas de soucis, l'idée m'a plu, le thème il m'a plu, le son il m'a plu. Moi ça me permettait de faire autre chose que ce que je fais d'habitude, de travailler avec un autre rappeur aussi. Il a pris ses couilles, les a mis sur la table, hein. Tout ce qu'on lui sait c'est de réussir. Et le jour où il m'a fait écouter l'instru, ça a été vraiment une super bonne surprise, sans problème, je suis dessus. Ça va être énorme quoi, franchement, voilà ce que je peux te dire. Bah, c'est une compil marseillaise avec plein de groupes marseillais. Bon, à chaque fois, il s'est un peu adapté aux personnes. Le concept, faire des featuring avec un peu tout le monde, bon, c'est bien travaillé parce que voilà, c'est pas nouveau dans le métier. Ce que je sais, c'est que c'est un projet de SAT avec que des collaborations marseillaises. Ça va être un bon projet, je pense. On va y avoir que des featuring, des belles combinaisons. Il n'y a que des rappeurs de Marseille. On voulait inviter tous les gens qui ont collaboré déjà avec lui ou des gens qui connaissaient depuis longtemps comme moi, mais qu'on n'avait jamais collaboré ensemble. Le projet, c'est juste super lourd. Voilà ce que tu peux savoir. Pour le reste, je laisse les gens découvrir la musique, c'est la musique qui parle. L'essence du rap marseillais, de faire des combinaisons inattendues. Je pense que ça va être encore un projet lourd, je pense, parce que ça n'a jamais été fait ici. On n'a pas beaucoup de projets comme ça à Marseille. Ça va faire connaître beaucoup d'artistes que des gens dans la France ne connaissent pas. En gros, voilà, c'est, comment dire, c'est Sat and Friends. Il se fait plaisir en faisant du bon son et mortel. Voilà.